l'apôtre, c'est Jean l'apôtre qui a écrit le livre de Jean que nous allons étudier dans ce trimestre, dans ce thème. Mais avant de parler de ce thème, il y a deux choses. Il y a deux choses que je voudrais qu'on retienne. On retienne ici la nature de Christ, la nature de Jésus, la nature divine de Jésus. Et on va retenir la vision du Seigneur pour l'humanité, toute l'humanité. Parce que c'est la vision que Jésus a eue, c'est la vision du Père, en fait, qui va nous révéler Christ, qui va nous révéler Jésus. Amen. Donc, durant ce grand thème, durant ce trimestre, nous allons ensemble essayer de voir ces deux grandes lignes. Parler de sa nature divine, parler de sa vision pour l'humanité. Amen. Ce sont ces deux points vraiment qui vont nous aider à mieux comprendre ce dont nous voulons ici parler. Mais pour comprendre ces choses, lorsque on revient un peu dans le chapitre 1 du livre d'Apocalypse, parce que je voudrais commencer par là, c'est le même auteur. Jean l'apôtre, c'est lui qui a écrit l'évangile de Jean, et c'est lui qui a écrit le livre, la révélation, le voile a été levé de l'Apocalypse. C'est le même auteur, c'est le même qui écrit ces livres. Et donc, lorsqu'on prend ces écrits dans le livre d'Apocalypse, on voit que Jean a eu une haute compréhension de Dieu. Jean a eu une haute compréhension de Christ. C'est vrai, il était le disciple bien-aimé de Jésus. La Bible même révèle que Jésus, avant sa mort à la croix, le jour de sa crucifixion, avant de rendre l'âme, il a appelé Marie, sa mère, et lui a dit, mère, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Ça veut dire que Jésus et Jean avaient des liens de parenté. Jésus et Jean. Et Jean ayant vécu avec Jésus, Jean ayant connu Jésus, il a mangé avec Jésus, il a bu avec Jésus. C'est tellement il a exposé ses problèmes auprès de Jésus. Et Jésus a une certaine confiance en lui. Il y avait plusieurs disciples qui étaient là le jour de la crucifixion. Jésus porte un regard particulier sur Jean et il lui confie une grande responsabilité. Jésus avait une certaine confiance en Jean. Amen. Et voici que ce même Jean-là, on va lire les textes tout à l'heure, ce même Jean, la Bible révèle que Jean, étant retiré sur l'île de Patmos, Jean va être ravi de la présence de Dieu. Et Jean va connaître une haute dimension de Christ qu'il n'avait pas connue. C'est vrai que sur le mont Tabor, lors de la transfiguration, Jésus, lorsque Élie et Moïse sont révélés à la puissante main de Dieu, à Jésus, et que son visage avait changé, et que l'aspect de son visage avait totalement changé, il avait vu un peu une nature divine de Christ. Mais là, il était encore limité. Mais dans le livre d'Apocalypse, la nature divine de Christ, que Jean, l'apôtre bien-aimé de Jésus, va réaliser, sera tout autre. Cette nature-là qu'il va voir sera différente. Il n'avait jamais vu ça. Il n'avait jamais réalisé ça. Lui-même, Jean, il n'avait jamais pensé à ces choses. Quand il a vu la révélation de Dieu, de Christ, le texte que nous avons lu dit, Jean est tombé comme mort. Bien-aimé, connaître Christ et le suivre tous. Jean était un disciple qui aimait le Seigneur.
Jésus l'aimait, lui aussi l'aimait le Seigneur. Jean était un disciple qui a vieilli. Parmi les disciples, il était l'un des disciples qui a vraiment vécu longtemps. Jean, l'apôtre. Et c'est ce Jean hein, qui va venir écrire l'évangile de Jean. Et c'est lui qui va aussi écrire Apocalypse pour révéler les choses que le Seigneur lui a fait la grâce de voir. Et c'est des choses qu'il essaie de raconter, qu'il essaie ici de nous montrer, nous révéler. Ensemble, on pourra lire à partir des versets 6, à partir des versets 6, il dit à lui, lui, qui nous aime. Je lis ici dans la version Parole vivante, après peut-être qu'on pourra revenir dans d'autres versions. Verset 6, Apocalypse chapitre 1. Qui nous a déliés et libérés de nos péchés par son sacrifice. Je voudrais que tu soulignes, si c'est écrit juste là-bas, sacrifice, il faut souligner ça, il faut souligner parce que il y a deux grandes expressions qui vont nous guider un peu dans ce que nous sommes en train de faire. Et dit qui a fait de nous un peuple de rois et nous a institués prêtres pour servir Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance et la domination au siècle des siècles. Et on répond tous, Amen. L'apôtre, c'est Jean l'apôtre qui a écrit le livre de Jean que nous allons étudier dans ce trimestre, dans ce thème. Mais avant de parler de ce thème, il y a deux choses. Il y a deux choses que je voudrais qu'on retienne. On retient ici la nature de Christ, la nature de Jésus, la nature divine de Jésus. Et on va retenir la vision du Seigneur pour l'humanité, toute l'humanité. Parce que c'est la vision que Jésus a eue. C'est la vision du Père, en fait, qui va nous révéler Christ, qui va nous révéler Jésus. Amen. Donc, durant ce grand thème, durant ce trimestre, nous allons ensemble essayer de voir ces deux grandes lignes. Parler de sa nature divine, parler de sa vision pour l'humanité. Amen. Ce sont ces deux points vraiment qui vont nous aider à mieux comprendre ce dont nous voulons ici parler. Mais pour comprendre ces choses, lorsque on revient un peu dans le chapitre 1 du livre d'Apocalypse, parce que je voudrais commencer par là, c'est le même auteur. Jean l'apôtre, c'est lui qui a écrit l'évangile de Jean, et c'est lui qui a écrit le livre, la révélation, le voile a été levé de l'Apocalypse. C'est le même auteur, c'est le même qui écrit ces livres. Et donc, lorsqu'on prend ces écrits dans le livre d'Apocalypse, on voit que Jean a eu une haute compréhension de Dieu. Jean a eu une haute compréhension de Christ. C'est vrai, il était le disciple bien-aimé de Jésus. La Bible même révèle que Jésus, avant sa mort à la croix, le jour de sa crucifixion, avant de rendre l'âme, il a appelé Marie, sa mère, et lui a dit, « Mère, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. » Ça veut dire que Jésus et Jean avaient des liens de parenté. Jésus et Jean. Et Jean ayant vécu avec Jésus, Jean ayant connu Jésus, il a mangé avec Jésus, il a bu avec Jésus. Certainement, il a exposé ses problèmes
auprès de Jésus. Et Jésus a une certaine confiance en lui. Il y avait plusieurs disciples qui étaient là le jour de la crucifixion. Jésus porte un regard particulier sur Jean et il lui confie une grande responsabilité. Il lui confie une grande responsabilité. Jésus avait une certaine confiance en Jean. Amen. Et voici que ce même Jean-là, on va lire les textes tout à l'heure, ce même Jean, la Bible révèle que Jean, étant retiré du lieu de Patmos, Jean va être ravi de la présence de Dieu. Et Jean va connaître une haute dimension de Christ qu'il n'avait pas connue. C'est vrai que sur le mont Tabor, lors de la transfiguration, Jésus, lorsque Élie et Moïse sont révélés à la puissante main de Dieu, à Jésus, et que son visage avait changé, et que l'aspect de son visage avait totalement changé, il avait vu un peu une nature divine de Christ. Mais là, il était encore limité. Mais dans le livre d'Apocalypse, la nature divine de Christ, que Jean, l'apôtre bien-aimé de Jésus, va réaliser, sera tout autre. Cette nature-là qu'il va voir sera différente. Il n'avait jamais vu ça. Il n'avait jamais réalisé ça. Lui-même, Jean, il n'avait jamais pensé à ces choses. Quand il a vu la révélation de Dieu, de Christ, le texte que nous allons lire dit, Jean est tombé comme mort. Bien-aimé, connaître Christ et le suivre tout sa vie. Jean était un disciple qui aimait le Seigneur. Jésus l'aimait, lui aussi l'aimait le Seigneur. Jean était un disciple qui a vieilli. Parmi les disciples, il était l'un des disciples qui a vraiment vécu longtemps. Jean, l'apôtre. Et c'est ce Jean-là qui va venir écrire l'évangile de Jean, et c'est lui qui va aussi écrire Apocalypse pour révéler les choses que le Seigneur lui a fait la grâce de voir. Et c'est des choses qu'il essaie de raconter, qu'il essaie ici de nous montrer, nous révéler. Ensemble, on pourra lire à partir des versets 6, à partir des versets 6, il dit à lui, lui, qui nous aime. Je lis ici dans la version Parole vivante, après peut-être qu'on pourra revenir dans d'autres versions. Verset 6, Apocalypse au chapitre 1. Qui nous a déliés et libérés de nos péchés par son sacrifice. Je voudrais que tu soulignes, si c'est écrit toi là-bas, sacrifice, il faut souligner ça, il faut souligner parce que il y a deux grandes expressions qui vont nous guider un peu dans ce que nous sommes en train de faire. Il dit, qui a fait de nous un peuple de rois et nous a institués prêtres pour servir Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance et la domination au siècle des siècles. Et on répond tous, Amen. Souvent quand les vagues montent comme ça et puis ça tombe, boum. Tu sais ça. Tu en décris ça. En fait, il décrit pour que ce soit un peu imagé, pour qu'on voit un peu. Mais sinon, la réalité de ce qu'il entend, c'est plus que ça. Mais il donne des figures, il donne des images. C'est tellement pour que nous, les humains, on puisse comprendre. Et il dit, il avait dans sa main droite sept étoiles. Et sa bouche, et de sa bouche sortait une épée aiguillée à
deux tranchants. Ah, regarde, il a avec sa main droite cette étoile. De sa bouche sortait une épée aiguillée à deux tranchants. Il avait de sa main cette étoile. De sa bouche une épée aiguillée qui sortait à double tranchant. Frère, ce n'est pas du jeu ça. Tu n'as jamais vu. Regardez, même Jésus, quand la Bible dit quand il marchait sur les eaux pour aller à la rencontre des disciples, même quand ils l'ont vu, ils ont commencé à trembler, ils disaient, ouais, oh, quel bateau. Ça, ils étaient parmi eux. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils tremblaient. Les disciples étaient, bon, ça va être mort aujourd'hui. On nous a raconté ça dans les histoires. Quand on était petit, on nous a fait des contes. Voici ce qu'on veut vivre aujourd'hui, ça c'est grave, on va mourir, on va laisser ici, oh! Et Jésus-Christ a appelé, ils ont crié, tout seul, à un moment donné, Jésus a été venu de calmer le jeu pour leur dire c'est lui Jésus. Amen! Mais là, Jean est en train de décrire quelque chose. En train de décrire quelque chose, ce qu'il voit, c'est effrayant, ça fait peur. Il dit, de sa bouche sortait une paix, un guillet. À double tranchant, une épée qui sort de sa bouche. Et la Bible révèle qu'effectivement, au dernier jour, lorsqu'Israël va reconnaître Christ, crier au Sauveur, il viendra. Pendant que toutes les armées seront réunies pour la guerre, Israël va reconnaître le Sauveur, va crier à lui, il descendra. Et une épée sortira de sa bouche pour exterminer tous ses peuples, toutes ses armées. Et Jean, on le dit ici, qu'il a vu cette épée aiguillée qui sortait de sa bouche, qui sortait de la bouche du Seigneur. Frère, Jésus est la parole, l'épée. Lorsque nous voyons les armes spirituelles, l'épée est le symbole de la parole. De sa bouche sortait une parole, une épée puissante. Amen. Et il dit, et son visage était comme le soleil. Son visage était comme le soleil à son midi. Quand le soleil brille, il est au zénith. Nous les hommes, on ne peut même pas le regarder. Et Jean décrit l'aspect de son visage comme le soleil à son midi, comme le soleil quand il est au zénith, comme le soleil lorsqu'il est dans tout son éclat, lorsqu'il brille dans toute sa dimension. Jean décrit le visage du Seigneur. C'est-à-dire qu'il avait des problèmes pour regarder Jésus, ce Jésus qu'il connaissait, ce Jésus qui était avec lui. Jésus dans sa gloire céleste, dans sa royauté, dans sa divinité. Jean ne pouvait même plus le regarder face à face. Il avait des difficultés, des problèmes pour le voir. Je comprends un peu cela, parce que moi-même, il m'est arrivé un jour d'avoir une vision. Je vais vous expliquer ça un peu ici. La lumière que je voyais dans cette vision où je me trouvais, je prenais même une paille pour fermer mes yeux. Parce que ce que je voyais était trop fort. C'était trop glorieux. Et j'imagine, Jean l'apôtre, pour qu'il écrive ces choses, je veux comprendre que ce que moi j'ai vu là, ce n'est rien par rapport à ce que lui, Jean, il décrit, qu'il devait rester dans la pire. C'est dans une autre dimension. Et Jean dit, il voyait son visage comme le soleil à son midi. Frère, je viens de parler de ce Jésus. Parce que souvent, les gens disent, Jésus est mon ami, ami de tous les jours. Jésus est ton ami, donc tu peux le, Jésus est ton ami. Et puis, ce qu'il fait, qu'on n'a pas une certaine crainte de Dieu, Jean est en train de décrire l'aspect puissant de la divinité de Christ. Ne vois plus Jésus comme un bébé,
Ne vois plus Jésus comme un petit ami du quartier. Ne vois plus Jésus comme celui-là qu'on peut ramasser. Ne vois plus Jésus comme celui qui est dans le berceau. Ne vois plus Jésus comme Maman Marie pouvait essuyer lorsqu'il faisait un peu de popo quand il était petit. Vois Jésus dans cet aspect de chant, dans cet aspect du livre de l'Apocalypse, du livre de la Révélation, là où le voile a été ôté. Vois ce Jésus comme ça. Cela doit être dans ta vie chrétienne, dans ta marche avec Dieu. Chante la porte, décris comment Jésus est la réalité. Ce qu'il a décidé de laisser un peu pour venir parmi nous les hommes. Jean de décrit, la grâce lui a été offerte, lui a été donnée d'être ravi de la présence de Dieu et de voir qui est ce Dieu-là que nous invoquons. Ce Dieu-là, il est mort. La Bible dit, il a dit, j'étais mort, mais voici, je suis vivant. Il dit, j'étais mort, mais voici, je suis vivant. Moi, je suis le premier, verset 18, et le dernier, le vivant. J'étais mort, et me voici vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est sur ce Jésus que je veux te révéler. C'est ce Jésus dont je te parle. Ce n'est plus ce Jésus qui était là que Pilate pouvait humilier. Ce n'est pas ce Jésus que Hérode pouvait humilier. Mais je te présente Jésus décrit par Jean, l'apôtre, dans Apocalypse chapitre 1. Ce Jésus puissant, ce Jésus Dieu, ce Jésus glorieux, ce Jésus merveilleux, excellent, vivant, il dit, j'étais mort. Mais voici, je suis vivant. Je tiens les clés de la mort, les clés du séjour des morts. C'est ce Jésus que je te présente ce matin. Connaître Jésus et le suivre toute ta vie. J'en dis, je me détournais pour connaître qui me parlait. Je me détournais pour voir qui me parlait. J'entendais sa voix, mais je n'avais pas vu son aspect physique. Je me détournais simplement pour voir. Et il dit, quand j'ai vu ces choses, moi, Jean, au verset 17, il dit, je le vis et je tombais à ses pieds comme mort. Jean qui avait mangé avec Jésus, il dit, quand il a vu Jésus dans cet aspect, il est tombé à ses pieds et il dit, comme mort. Certainement, il s'est évanoui. Il était là, tombé comme mort à ses pieds. Mais la Bible dit que Jésus, dans son amour, il va approcher Jean. Il posa sur moi, verset 17, sa main droite, en disant, sois sans crainte. Jésus le même, et c'est quoi il dit au verset qui suit, je suis le premier, je suis le dernier. Il y a une façon de dire à Jean, c'est moi Jésus que tu avais vu là-bas, je suis le même, je suis le premier, au commencement, je suis, au commencement j'étais, et je suis encore là, je suis le même Jésus, je suis le même Jésus, je suis le même Jésus, il dit je suis le premier, je suis le dernier, le vivant, il précise le vivant, je t'ai mort. Mais je vis. J'étais mort. Et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés. Je veux dire les clés. Les clés de la mort. Les clés du séjour des morts. Connaître Jésus le sous toute sa vie. Bien aimé, c'est de connaître la divinité du Christ. C'est de connaître sa nature de lui. Et de connaître la vision du Christ pour l'humanité. Si tu connais sa nature, bien-aimé, c'est pourquoi Jésus pouvait poser la question à un moment donné aux disciples. Il dit, mais, et vous ne partez pas. Et vous ne partez pas. Et vous ne partez pas. Bien, il a repris la parole pour dire, tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous, Seigneur? Parce que d'autres sont venus à Jésus. Quand le discours de Jésus était dur, le discours de Jésus était différent des pharisiens et des scribes. Les gens ont dit non, que l'on ne peut pas suivre cette parole. Cette parole-là, on ne peut pas la suivre. Il faut qu'on se retire. Et il y a eu une poignée d'hommes qui est restée. Et Jésus leur posait la question, les disciples.
Il dit, mais et vous ne partez pas. Et il répond pour dire, à qui irons-nous, maître? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles qui sauvent. Tu as les paroles qui nous font entrer dans le royaume divin. Tu as les paroles qui nous feront régner dans ta présence. Tu as les paroles qui nous délivrent. Tu as les paroles qui nous guérissent. Tu as les paroles de la vie. La vie éternelle se trouve en toi. À qui irons-nous? Je veux le connaître. Je veux mieux le connaître. Parce que la Bible dit, Jean lui-même était avec Jésus. Il ne l'a pas connu tel qu'il le décrit dans ce texte. Moi, je veux le connaître. Tel est mon vœu, telle est ma prière. Je me suis assis pendant des nuits à réfléchir, même encore ce matin, j'étais là à réfléchir pour dire Seigneur, je t'en supplie, je veux te connaître. Apocalypse, pour comprendre ce thème, je veux commencer d'abord à parler de la divinité de Christ, parce qu'il y a deux grands axes qui vont nous aider à comprendre ce thème, qui est connaître Jésus et le suivre toute sa vie. Deux grands as. Le premier est de parler de la nature divine de Christ. La nature divine de Christ. Et puis, le deuxième point que nous allons aborder, c'est de parler de la vision de Jésus pour l'humanité. La vision de Jésus pour l'humanité. La vision de Jésus pour l'humanité. Je pense que si on comprend ces deux choses, ça peut nous aider certainement dans ce trimestre à mieux saisir ce grand thème, connaître Jésus et le suivre toute sa vie. Notre Dieu est immuable, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Et donc, le connaître, c'est un privilège. Amen. Ce matin, dans Apocalypse, chapitre 1, à partir des versets 6, Jean, en fait, je vous ai demandé de lire Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 13 jusqu'au chapitre 19, le verset 37. C'est le même Jean là qui a connu Jésus pendant que Jésus était sur la terre. C'est le même Jean là qui écrit le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation. C'est lui, c'est le même. C'est pourquoi, pour pouvoir commencer, avant de commencer à parler du chapitre 13, j'ai voulu qu'on vienne à comprendre ce que Jean a vu. Ce que Jean a vu dans le chapitre 1 du livre de la Révélation, du livre de l'Apocalypse. C'est le dernier livre de la Bible et du Nouveau Testament aussi. Donc, si nous venons à comprendre ce que Jean explique, je pense que ça peut vraiment nous aider quand on va revenir dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, à partir du chapitre 13, on va comprendre un peu mieux ce que le Saint-Esprit va nous enseigner. Mais ce matin, je veux parler de la nature de Jésus. Nous avons... Chacun d'entre nous avons plusieurs conceptions de Dieu. Nous avons plusieurs compréhensions de Dieu. Mais regardez ce que Jean, comment Jean dépeint, comment Jean décrit ici Jésus glorifié. Comment Jean essaie de le décrire ici. Lisez avec moi dans la version Parole Vivante. Version, il y a plusieurs versions. Mais je veux lire un peu Parole Vivante. Et dans mes commentaires, je vais me référer un peu plus à Thompson, quand je serai en train de commenter. Mais quand je lis un peu le Christ, de Dieu, quand Jean il parle de Jésus, de la connaissance, ça veut dire qu'il connaît Dieu. Ce n'est pas une connaissance éloignée, c'est une connaissance rapprochée, une connaissance intime, une connaissance proche. Et Jean parle de Jésus. Mais dans ce texte qu'on vient de lire, le même Jean, il décrit ce qu'il a vu. Et il dit, quand il a vu le Seigneur, on va devenir dessus pas à pas, ne soyez pas pressé. Il dit, quand il a vu le Seigneur, la Bible dit que lui, Jean, il est tombé comme mort. Vous savez ce que c'est que tomber comme mort?
Ça dit, c'est comme il est venu. Vous voyez quelque chose de vrai. Il est tombé comme un poivre. C'est quoi? Qu'est-ce que je viens de voir? C'est terrible. C'est puissant ce que je viens de voir. Ce que je viens de voir, c'est terrible. Ce que je viens d'entendre, il a entendu une voix. C'est terrible. Mais le même Jésus, avec qui il a mangé, il a bu, le même Jésus, avec qui il faisait le ministère, le même Jésus qui lui a apporté l'enseignement biblique, le même Jésus qui était dans la barque, qui a fait les miracles devant lui, le même Jésus qui a guéri les malades, le même Jésus qui a fait la multiplication des pains devant Jean. Mais le même Jésus, quand Jean le voit dans sa divinité, dans sa gloire, c'est pas dit là-bas, il a dit ici, il a dit, dit le Seigneur Dieu. C'est-à-dire que Jésus, quand on va dans le chapitre 13 de Jean, l'évangile de Jean, vous allez comprendre là-bas que Jésus, je commence par la divinité d'abord, Jésus est Dieu, le Seigneur Dieu. Jésus est Dieu. Donc, Jésus a décidé volontairement, pas de la kénose, il a décidé volontairement de se dépouiller de ses attributs divins. Et il est venu parmi les hommes. Il a vécu parmi nous. On pouvait le toucher, on pouvait le voir. Mais le même Jésus, reprenant sa position divine, il est très différent. Et Jean décrit ce qu'il a vu. C'est effrayant. Jean décrit la gloire de Christ, Jésus glorifié dans le ciel. Jean dit, j'ai été ravi en esprit et j'ai vu qui il est. C'est ce que Jean essaie de décrire. Frère, il dit, c'est un dimanche dans la version parole vivante. Il dit, un dimanche, l'Esprit de Dieu se saisit de moi. Ça m'a plu, le fait qu'on a dit un dimanche là. Ça m'a intéressé. On dit un dimanche. Vous dites avec moi, un dimanche. Comme ce dimanche où tu es assis là, un dimanche matin comme ça. Un dimanche. Bon, c'est pas si le matin, mais si c'est à midi, mais si c'est la nuit, mais c'est que si Jean dit un dimanche. C'est une précision de taille. Venez avec un dimanche, c'est bon. Alléluia. Ne pas dormir à la maison, venez avec un dimanche, c'est bon. Hein. Si tu es en bonne santé, bien sûr. Jean dit, il est un dimanche. On va passer dessus. Il y a d'autres choses encore plus sérieuses. Alléluia. Il dit, Jésus, qui est descendu pour nous libérer par son sacrifice. Il nous a déliés. Il nous a libérés de nos péchés par son sacrifice. C'est ce que Jésus est venu faire, effectivement. Jean dit qu'il nous a établis. Il a fait de nous un peuple de rois. Il a fait de nous, il nous a institués comme des prêtres pour servir Dieu son Père. À lui seul la gloire, la puissance, la domination au siècle des siècles. Amen. Et puis il a dit, attention, il va revenir en gloire. Ça veut dire que quand Jésus va venir, ce n'est plus le gay Jésus, le bébé Jésus, pas vous. Ce n'est plus ce Jésus-là qui va venir. J'ai en train de décrire ce Jésus qui va venir dit en gloire. Quand on suit le chapitre 1, à partir du verset 6, là-bas qu'on a lu. Ça montre comment Jésus va venir. Frère, ce n'est pas du jeu. Et il dit, Jean nous atteste, il assure. Il dit, oui, c'est vrai. C'est bien ainsi que cela se passera. Il dit, oui. Et puis ce qui m'a touché, il dit, les familles de la terre. Hein? On fait quoi? Seront saisis de frayeur et se frapperont la poitrine de remords. Pas de joie, il dit de remords.
Il y a des gens aujourd'hui quand on parle de Jésus. Ouais, faut pas être ça. Mais Jean dit, quand Jésus va venir dans sa gloire, quand il reviendra dans sa gloire, il dit c'est vrai. Jésus même a dit à Jean, ce que tu es en train de voir là, il faut sceller, il faut écrire ça. Il faut graver ça, il faut écrire. Afin que le souvenir s'en conserve. Il faut écrire pour le peuple actuel, pour les choses actuelles, maintenant, mais pas seulement pour le peuple actuel, mais pour ceux de 2018, le peuple de l'homme, c'est pour Saint Daniel, il faut écrire ces choses afin qu'il voit, qu'il les lise et qu'il comprenne et qu'il me serve, qu'il me cherche, qu'il me suive, qu'il marche avec moi. Jésus dit, écris, Jean, il faut écrire ça. Parce que la révélation que tu vois, si tu n'écris pas, le peuple de l'OMS en 2018, ce dimanche 15 septembre, ne recevra pas cette révélation. Écris. Si tu écris, c'est parce que la chose est scellée dans le royaume de Dieu. Il y écrit parce qu'il y a le sang sur l'instruction. Il ne changera pas ce qu'il a dit. Sa parole reste immuable. Sa parole est éternelle. Sa parole est la même. Elle ne change pas. Parce que Jésus-Christ est éternel. Il sait ces choses. Je reviendrai. Je reviendrai dans ma gloire. Jean commence à voir une autre personne de Jésus. Et c'est vrai. Jean dit, il dit, j'ai entendu une voix. Une voix qui était forte. Comme la voix du roi. D'une trompette. Mais en fait, ce qu'il dit là, il ne fait que essayer de caricaturer, de donner une image pour qu'on comprenne. Sur la voix qu'il a entendue, trompette, trompette, petite trompette, petite trompette, il dit la voix qu'il a entendue là. C'est là qu'il s'est tourné pour me regarder. Quelle est la voix qui lui parle? Bien aimé, Jésus-Christ va revenir. Et la Bible dit que nous les vivants, nous irons la rencontre de Christ à l'esprit. Mais les morts en Christ, au son de cette trompette, au dernier jour, comme Jean est en train de le décrire ici, il dit quoi? Il dit, celui qui écrit, c'est votre frère Jean. C'est Jean, votre frère, votre compagnon, qui partage avec vous dans la communion avec Jésus, à la fois les épreuves, les souffrances endurées, les tribulations. Quelque part il est écrit là-bas, avec patience la royauté et la ferme attente du retour de Jésus. Pourquoi Jésus est en train de révéler ces choses? Il révèle ces choses parce que l'Apocalypse vient pour en fait sceller la révélation. Il révèle ces choses pour dire que c'est vrai, vous allez souffrir dans la douleur, la souffrance. Mais moi, Jésus, je vais venir. Je vais revenir. C'est une chose certaine. Et l'apôtre dit avec assurance, il attend, il persévère. C'est dans la persévérance que nous devons attendre le Seigneur. Il dit dans la tribulation, au moment où il écrivait cette chose, il y avait la tribulation, la persécution. Quand il a été exilé sur l'île de Patmos, il parle d'exil ici. Lorsqu'on parle d'exil, c'est parce que quelque part il y a eu captivité, il y a eu une domination, il y a eu un règne, quelque part. Il y avait la douleur où il a été exilé. On parle d'exil parce que quelque part, le milieu dans lequel tu es, parfois ne s'y est plus à ta paix. Et il dit, j'ai été exilé sur l'île de Patmos. Ça veut dire qu'il vit dans la tribulation. Mais lui, dans cette tribulation, pourquoi il a été envoyé là-bas? Parce qu'il témoignait de Jésus. Parce qu'il parlait de Jésus. Et le témoignage de la parole de Dieu, de Jésus, a fait que les gens m'ont envoyé là-bas. Mais ha, à quelque part, quelque chose est bon. Quelque part, malheur est bon. Pendant qu'on a pris, il a été exilé, envoyé là-bas. C'est à ce moment
dans sa vieillesse, dans un âge avancé, que Jésus va ravir son esprit, l'esprit de Jean. Il a été ravi en esprit. Et la Bible dit qu'il va recevoir ces choses. Il va recevoir la révélation de Jésus, la révélation de Christ. Alléluia. Bien-aimé, Jésus va revenir. C'est une vérité. Aujourd'hui, nous étions vides comme ce n'est pas possible. Jésus va revenir. Alléluia. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Celui qui est, je suis celui qui suis, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Il dit, je suis celui qui est. Alléluia. Pour dire qu'il demeure éternel. Je suis. Il est conjugué à tous les temps. À chaque siècle, à chaque époque, à chaque génération, je suis. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Il n'y a rien qui peut t'échapper. Je suis. Je suis celui qui est, qui était, qui vient. Regardez au verset, vers la fin, au verset 18. Il dit, moi, je suis le premier et je suis le dernier, le vivant. J'étais comment? J'étais mort. Et voici, et me voici comment? Vivant au septième siècle. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus est. Il était. Et il vient. Jean reçoit ces choses. Et Jean nous atteste ces choses. Il nous l'envoie ici. Aujourd'hui, cela est dans la parole. Ça nous aide aujourd'hui. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Celui qui est, qui était et qui vient. C'est-à-dire que quand c'est comme ça, c'est-à-dire que la tête de même nous souffre. C'est-à-dire que ce qu'il a dit là, on ne peut pas changer ça. Ça veut dire que la chose est certaine. La chose est vraie. Elle est vraie. Elle a viré. On ne peut pas changer. Même enlever même un seul point dessus pour dire non. On n'a qu'à mettre virgule. On ne peut plus. C'est ce qu'il dit. Je suis l'alpha, l'oméga, le dernier, la fin, le commencement et la fin. Le début de toutes choses. Je suis ce que je vous dis là. Ne jouez pas avec ça. Je suis l'alpha. Je suis le début. Je suis ta fin. Je suis ton commencement. Je suis ta fin. Oh homme. Et ce que je dis, je mets le sceau sur mes instructions, sur ma parole. Je reviendrai certainement. Il a commencé par là d'abord. Il commence à révéler à Jean. C'est seulement ce qu'il n'avait pas dit. Il commence à dire à Jean sa nature. Il commence à révéler. Il dit, je suis le premier et le dernier. Je suis l'alpha et je suis l'oméga. C'est seulement quand vous lisez l'évangile de Jean, vous ne pouvez pas voir ce terme-là comme ça. Mais dans la révélation, il dit réellement sa nature. Tout ce qu'il est. Même quand Pierre a révélé sa nature, il ne dit personne, ne dit à personne ce que vous venez de dire. Gardez ça pour vous. Mais là-bas, il dit à Jean, ce que tu as vu, il faut écrire ça. Alléluia. Jean dit dans la tribulation. Comme le voit aujourd'hui, comme je disais le mercredi, une petite tribulation. Un petit problème survient dans la vie. Ah! Moi, j'ai fait quoi dans l'œil quand il y en a bizarre? Il y a fait quoi là-bas? Je vais m'asseoir à la maison. Ouais. Petit problème qui est venu là-haut. Et parce que j'ai trop de problèmes. Parce que j'ai trop de soucis. C'est comme si c'était devenu. C'est choco de dire oui, tu sais, je suis embêté. J'ai des soucis. Tu sais, j'ai des problèmes, ma vie est devenue. C'est comme si c'est un slogan, c'est comme si c'est, ça fait moderne, ça fait. Tu comprends un peu? Ça fait style de dire, oui, tu sais, j'ai des problèmes dans ce temps. C'est trop compliqué pour moi.
C'est devenu un langage vraiment qui fait un peu. Qui fait un peu homme. Bon, c'est pourquoi vraiment quand c'est comme ça. Tu sais, parce que je réfléchis à ma vie. Oh, tu sais, bon, et quand ça va aller, je vais voir s'il faut que je vienne à l'église. Mais pour le moment, je me cherche. Il faut que je me cherche. Et quand je vais trouver la solution, alors je vais venir adorer Dieu. Alors je viendrai. Oui, je vais louer le Seigneur. Mais pour le moment, c'est le temps que je me cherche. Oui, j'ai trouvé une situation difficile. C'est trop compliqué, c'est bizarre. Je ne comprends pas. Et je sais que vraiment, si je passe tout le temps dans la prière, ça va me dire, il faut que moi-même je me cherche pour que je me positionne. Vous n'avez jamais écouté des chrétiens comme ça? Ah, moi j'avais écouté. Oui. J'en dis, dans la tribulation, les chrétiens n'aiment pas tant ce mot-là. Bénédiction, prospérité, élévation, multiplication. Yes, 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 yes. Le grand dit tribulation. No, no. No, no, no. Alors que c'est la vérité. C'est la vérité. Vous pensez que tous ceux qui souffrent là, c'est parce qu'ils ont péché? Hein? Travail qui vient pas là, c'est parce que tu as péché. Gentil dans la tribulation. Je suis là, c'est la même chose que tu portes. Est-ce que c'est parce que tu ne vis pas dans la sanctification? Parfois même, les gens vivent mal et puis ils sont prospères. Hein? Bon, c'est pas là mon fermon. Revenons sur ce que j'ai à dire là. C'est une parenthèse. Mais ça a aidé quelqu'un. Ça a aidé quelqu'un tout à l'heure. Amen. Il dit, à cause de la parole du témoignage de Jésus. On m'a envoyé là-bas. Mais regardez, il dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte. Le jour du Seigneur. Il dit, ce qu'il a dit, il a été ravi. C'est intéressant. Hein? Nous qui avons souvent les visions, là, c'est intéressant. Il dit que toi, Dieu te projette ce qui va arriver quand Jésus va revenir. Il dit, il a été ravi. Le jour du Seigneur. Quand on habite par le jour du Seigneur, ce n'est rien d'autre que le jour où toute chose va s'accomplir. Le jour où la trompette va sonner. Le jour où Jésus, entouré d'une nuée d'anges. Le jour où dans les airs, au son de la trompette, au son de la trompette, le jour du Seigneur, où en un clin d'œil, nous serons enlevés vers la présence de Dieu dans sa gloire, dans sa félicité, revêtu, oui, de vêtements blancs, éclatants, où ça n'est pas dans un pressing. Non, 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 non. Tout blanc, revêtu, nous serons dans la présence de Dieu. Il était le jour, lui, Jean, c'est à ce jour-là qu'il a été revêtu. Et par là, c'est ce jour-là qu'il a vu. Il a été projeté. C'est comme. Et on a prié, puis on a envoyé pour dire, regarde ce qui va se passer au jour du Seigneur. Mais regardez ce qu'il va décrire maintenant. Tu vas avec moi. Il dit, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Envoie-le aux sept églises. À Éphèse, on a cité les églises déjà. Donc, la lettre est adressée aux églises. Premièrement, elle est adressée aux sept églises comme une cité Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Il dit, il faut écrire ça. Mais s'il écrit aux églises, à ces sept églises, la parole de Dieu demain, ça veut dire qu'aujourd'hui, la parole aussi nous est adressée. Mais regardez ce qu'il va dire. Il dit, je me retournais pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Oui, Jésus, tel qu'il est monté, nous le verrons. La Bible décrit cela. Nous le verrons. Et nous allons le voir comment. Encore un côté, tu vas voir comment Jean va le décrire. Le jour du Seigneur.
Nous allons voir Jésus. Il dit, il a vu quelqu'un comme qui avait un visage quoi, de fils d'homme. Effectivement, le visage que Jésus a révélé, la Bible dit, quand à côté de la tombe, le premier jour de la résurrection, Marie de Magdala était allée là en pleurant. Elle a vu l'homme et puis elle a commencé à parler. Il fallait que Jésus enlève le voile sur ses yeux pour qu'elle le connaisse. Elle n'avait pas connu qu'elle regardait, elle dit, mais Seigneur, elle pensait que c'était un gardien qui était là. Alors que c'est Jésus lui-même qui lui parlait. Quand Jésus a enlevé le voile sur ses yeux, elle a dit, ah, elle voulait le toucher, elle ne me touche pas, car je ne sais pas comment t'es même père. Frère, ce Jésus, nous allons le voir. Mais comment on va le voir? Regardez ce qu'il va décrire. Regardez ce qu'il va décrire. Il y a des chrétiens qui ont prié avec instance. Ils ont dit, Seigneur, si tu n'as pas le réveil sur nous, la mort même, on préfère la mort. Et le Seigneur, écoutant ses prières, a agi. Il y a eu des chrétiens qui se sont retrouvés, qui ont commencé à prier sérieusement aux États-Unis. Et Dieu a produit un réveil puissant. D'où sont sorties les églises, Foursquare, Église Assemblée de Dieu. Amen. Vraiment, on prie, on prie, on prie, on prie. Mais je vous assure, l'une des choses qui nous fait grandir dans ce réveil, dans ce feu, c'est l'évangélisation. Quand un chrétien est bouillant dans l'évangélisation, le feu ne s'éteint pas. Le réveil est toujours là. Mais le chrétien qui n'évangélise pas, ça veut dire qu'il tombe hein, spirituellement, sa vie spirituelle est morte. Mais un chrétien qui évangélise, un chrétien qui partage la parole de Dieu, Dieu le soutient. Ce matin, je vous ai dit qu'il y avait quatre types de personnes qui sont divinement combustibles. Que le feu peut embraser quatre types de personnes. Amen. Mais je vais vous parler d'une seule personne ce matin. Les autres personnes, on va toucher leur vie au fur et à mesure. Amen. La première personne dont je vais vous parler ce matin, c'est la femme samaritaine. Il faut dire avec moi la femme samaritaine. La femme samaritaine. Qui connaît la femme samaritaine? Qui la connaît? Qui la connaît? Qui connaît la femme samaritaine? Vous la, en entrant, je ne la connais pas. Et ma fille Sonia. Sonia, ça va? Tu ne la connais pas. Tes voisines que tu as invitées là, je ne les vois plus. Amen. Vous savez, dimanche passé, on a fait quoi? Opération Anakazo. On a fait opération. Voilà. C'est-à-dire que les gens qu'on n'a pas vus, on les a attrapés, on est venus avec eux. Amen. Amen. La soeur a pu ses enfants qui venaient là. Elle a une soeur qui venait avec ses enfants là. Hello. J'étais là le mercredi. J'étais là le mercredi. Ce dimanche là, je vais la voir au deuxième culte. Amen. En tout cas, vous qui êtes venu pour le mercredi, je connais vos visages. Ça veut dire qu'au deuxième culte, on a cité les visages. Il y a un mois des gens aller les chercher à la maison. Ils vont venir ici faire le culte. Amen. On s'amuse. Non, on s'amuse plus. Et après, il dit non, et papa, c'est ma tête, c'est ma dent, et oh, tout ça. Amen. Amen. Non, on n'a plus le temps. Le temps nous presse, frère. Maintenant c'est la violence, pas pour tuer, mais on va faire un forcing sur nous-mêmes. Ça veut dire que si je suis là, que je ne vois pas Madame Traoré, je vais envoyer des gens pour l'appeler. Et ça chauffe même, on va avec un taxi, elle va appeler le taxi. On la met dedans, on revient avec elle. On ne s'amuse plus, frère, on ne s'amuse plus. Les dimanches, les gens s'asseyent à la maison, c'est pour dire c'est révolu. Dès que quelqu'un s'est passé. Voilà. Si je ne vois pas madame Abba ce matin, hein, c'est parce qu'elle a accouché, donc je peux la laisser à la maison. Alléluia. Mais on sera violent sur nous-mêmes. La Bible a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est comment? C'est Jésus même qui a dit ça. Jésus dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et seul les violents qui s'en emparent. Frère, il faut dire, je serai violent pour le Seigneur. Pas être violent pour faire du mal à quelqu'un, mais violent dans mon zèle spirituel. Comme Jésus a dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc moi aussi, je vais être violent pour partir au ciel. Alors, je serai violent aussi pour que mon frère aussi parte au ciel. Donc là, on est sérieux. Salut quelqu'un dit, on est sérieux. Salut quelqu'un dit, on est au sérieux. Voilà. Amen. La femme samaritaine. Dans le livre de Luc 4, Jésus va avoir un entretien. Pardon, c'est Jean. Jean 4, pardon, c'est pas Luc, c'est Jean. Là, Jésus va avoir un entretien avec une femme
au puits de Sichar à Samarie, Jésus a un entretien avec cette femme. Cette femme, elle est venue puiser de l'eau à un moment donné. Et voici que cette femme, Jésus va rencontrer cette femme qu'on nomme ici la femme samaritaine. Jésus va révéler sa nature. Jésus va dire qui elle était. La femme a été fortement touchée. Amen. Regardez les versets 24. On peut lire les versets 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alors, arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? La femme laissa donc sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Il sortit de la ville et vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le priaient en disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc, les uns les autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture, dis avec moi, ma nourriture, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Amen. Jésus a un entretien avec la femme samaritaine. Dans le récit qu'on vient de lire, dans ce qu'on vient d'entendre, il y a une chose qui m'a marqué. Frère, tu sais c'est quoi? C'est que même quand Jésus est allé demander à ses disciples, vous, que dites-vous donc que je suis? Et que Pierre a eu l'inspiration divine, le réma, pour dire de Jésus qu'il était le Christ, le Fils de Dieu. Jésus va dire aux disciples, Jésus va dire aux disciples de ne pas révéler cela. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus dit aux disciples, Jésus recommande aux disciples de ne pas révéler son identité. Ils étaient vraiment ses disciples. Pierre a révélé cela, mais Jésus leur dit, ne révélez pas cela. Mais ce qui m'a marqué, la femme samaritaine, suivez-moi bien, l'entretien qu'elle a eu avec Jésus là, quand Jésus a dit vraiment les choses, elle a dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ, il doit venir. Ce qui m'a marqué au verset 27, Jésus dit, selon le verset 26, Jésus dit, Jésus lui dit, je suis, je le suis, moi qui te parle. Frère, ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Ça me marque. Hein? Écoute-moi bien. Même aux disciples, quand Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, par Dieu, comme Jésus l'a dit, par mon Père, a révélé qui était Jésus, Jésus leur dit, ne parlez de ces choses à personne. C'est quoi cette femme samaritaine avait? Au point où elle dit, je sais que le Christ doit venir, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Et Jésus là, prend le soin de révéler son identité. Jésus lui dit, frère, c'est merveilleux, Jésus lui dit, je suis ce Christ là, je suis le Messie. C'est un peu rare fois que Jésus même, dans le début des évangiles, va dire ce qu'il est. C'est quelqu'un me suit. Jésus va dire, moi qui te parle, je suis le Christ, je suis le Messie. Frère, ça m'a touché. Jésus révèle sa nature, Jésus révèle son identité. La femme samaritaine. Mais quand Jésus a révélé son identité, quand Jésus a dit, je suis le Christ, je suis le Messie, elle lui a dit,
ce qu'il savait de cette femme, la Bible dit qu'elle a déposé sa cruche. Elle a laissé sa cruche. Et puis, elle est rentrée dans la ville. Elle a dit quoi aux gens? Elle allait leur parler pour dire, venez voir un homme. C'est tellement sur le Christ. Il a dit tout ce que je suis. Il sait tout de moi. Et elle a pris le soin de parler à ses parents, parler aux gens de la ville, parler aux hommes et aux femmes qui étaient là. C'est tellement les enfants ont entendu. Ils sont sortis de la ville. Ils sont venus à la rencontre de Jésus au puits. Et là, Jésus va parler. Ses disciples disent, mais maître, il faut manger maintenant. Hein? Mange maintenant. Verset 31. Et pendant ce temps, les disciples le prièrent en disant, Rabbi, mange. Jésus, il faut que tu manges maintenant. Il faut que tu manges. Les 3 jours de jeûne, moi j'étais en jeûne à vous aussi. Hein? C'est là-bas, j'étais en jeûne. Frère, c'était pas facile. Parce qu'on arrivait, les gens nous ont reçus avec des nourritures vraiment puissantes. Oui, frère, je t'assure. Je t'assure. En tout cas, c'est que l'atome 1, c'est que l'atome 2, la tête du verre. Non, je t'assure. C'était dangereux. Mais, je me dis que je ne vais pas vous donner, j'aime le prier. Par exemple, j'étais en train de jeûner ici. Moi, je suis là-bas, je suis en train de manger. Et non, j'ai jeûné aussi, frère. 3 jours avec vous. Je n'étais pas avec vous ici, mais j'ai fait 3 jours là-bas. J'étais en train de prier aussi. 3 jours. Avec vous. Amen. 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 Pour dire qu'on est ensemble, pour dire qu'on est un, on est ensemble. Jésus, ses disciples lui disent, maître, Rabbi, il faut manger maintenant. Jésus dit non. Comment Jésus répond? Jésus lui dit, au verset 34, Jésus lui dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voici réellement qui Jésus est. Connaître Jésus et le suivre. Qu'est-ce qui préoccupe Dieu? Qu'est-ce qui préoccupe Jésus? Tu veux le connaître. Mais il faut savoir quelle est la vision de Jésus. Qu'est-ce qui tient au cœur de Jésus? Amen. Bien-aimé, pour connaître quelqu'un, pour pouvoir mieux vivre avec une personne, il faut chercher à le connaître. Mais le connaître, c'est de savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Bien. Attends, eh bien. Parce que pour voir mieux avec quelqu'un, il faut le connaître. Hein? Pour le connaître, là, il faut savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Ce qu'il n'aime pas, là, tu n'as pas fait. Vas-y, c'est que si tu fais ça, il va se fâcher, ça sera gâté entre vous. Amen. Amen. Maintenant, si tu sais aussi ce qu'il aime, tu vas faire, et puis, entre vous, ça va aller. N'est-ce pas? C'est comme un mari et puis une femme.